Le manque de neige apporte un peu moins de touristes dans les rues du Vieux-Québec. Bien que les décors, le marché de Noël sont toujours populaires, la féerie se fait moins ressentir. Eliane, la situation a des impacts à certains niveaux dans l'industrie touristique. Ouais, regardez autour de moi, Véronique, il n'y a pas beaucoup de neige. Et d'habitude, c'est ce paysage blanc mélangé à celui du Vieux-Québec qui rend la chose magique et qui attire les foules d'un peu partout dans le monde, mais aussi notre monde de chez nous ici à Québec. Bon, là, cette année, les gens sont au rendez-vous, mais on note quand même une légère diminution. Vous voyez à l'instant ces données. Si, bon, pour ce qui est de cette année, la semaine du 24 décembre au 1er janvier, actuellement, là, on est en moyenne à 74 % des chambres réservées à Québec pour ce qui est là, des hôtels. L'an dernier, à la même période, on était à 80 % des chambres qui étaient réservées. On peut entendre à l'instant un expert en tourisme. On était encouragés pour voir qu'il n'y a pas eu une vague d'annulation, mais oui, les réservations ont ralenti comparé à l'année passée, en espérant que les choses continuent à bien s'aligner pour arriver pas mal proche à l'année passée. Donc, on a l'espoir, mais il y a eu un peu d'impact au niveau de la pluie, mais pas aussi dramatique qu'on s'attendait. Et qu'est-ce qu'on remarque dans cette industrie, Véronique? C'est souvent, bon, les réservations de dernière minute qui ne sont pas au rendez-vous cette année. Réservations qui sont souvent faites par les Québécois. Donc, les touristes internationaux, eux, sont quand même au rendez-vous. D'ailleurs, on en a rencontré quelques-uns. I wanted to see some snow. A bit sad about that. We were waiting different Christmas, like white Christmas that we don't have in Mexico City. Vous savez, chez nous au Luxembourg, il fait 10 degrés, il pleut. Et la pluie. Ça, c'est magnifique, hein? Gris. Alors, au moins ici, il y a du soleil. Oh, c'est fantastique, mais oui. Ah, vous retrouvez la féerie dans le froid, là. Ah, oui, oui. Bon, vous allez être servi ici. Hein? N'est-ce pas? Et leur côté, là, les compagnies, là, les hôtels me disaient qu'ils restent confiants là, d'atteindre ce même taux d'achalandage de l'an dernier, du moins de s'y en approcher. Ils espèrent là, avoir des réservations, s'y attendent d'avoir plusieurs réservations dans les prochaines heures. Mais ils espèrent aussi un miracle de Noël, de la neige, ça pourrait les aider. Grandement. On vous le souhaite. Merci beaucoup, Eliane. Au revoir.